Salut, j'espère que tu vas bien. Pour cette nouvelle recette, on va préparer un curry traditionnel de La Réunion, le fameux curry poulet. Donc, je suis allé au marché ce matin pour aller acheter tous les ingrédients, les épices et le poulet lui-même, qui est un poulet bio nourri au grain. Donc, pour l'occasion, j'ai choisi un poulet de qualité. Idem pour les épices. Donc, je suis allé au marché au même endroit pour aller acheter tout ce dont on aura besoin pour cette recette. Donc, au niveau des épices, qu'est-ce qu'on a? On a des tomates. Donc là, j'ai environ 1,5 kg, 2 kg de poulet. Donc j'ai pris 4 belles tomates que tu peux voir ici. J'ai 2 gros oignons. J'ai pris 4 têtes d'ail ici. Le gingembre, on va en prendre 2 à 3 cm. Et enfin, on n'oublie pas le thym. Donc très important pour vraiment donner du goût au poulet. Et aussi le curcuma, donc là je ne l'ai pas avec moi sous la main, mais c'est la base du curry poulet pour lui donner cette saveur unique et surtout cette couleur unique qu'on retrouve dans les plats de La Réunion. Première étape, couper le poulet et on va garder les morceaux entiers pour la recette du curry poulet. On ne va pas venir couper les morceaux, juste vraiment séparer cuisses, ailes, etc. mais les garder entiers. Pour la peau, il y a 2 écoles. Il y a beaucoup de personnes qui adorent la peau, comme moi. Je trouve que c'est ce qui a le plus de goût dans le curry. Donc je vais les laisser pour la cuisson. Il y en a qui l'enlèvent. Mais je te recommande de faire cuire avec la peau déjà pour avoir le gras et le goût. Évitez de rajouter trop d'huile aussi lors de la cuisson. Et une fois que c'est cuit, que c'est servi, tu as juste à enlever la peau si tu ne souhaites pas la manger. Alors ces morceaux-là, par contre, les plus gros, on va les couper en deux parce qu'ils sont vraiment énorme, mais pour le reste, on garde l'entier. Maintenant que le poulet est coupé, on va préparer les épices, mais juste avant, on va mettre le poulet à roussir en attendant qu'on prépare justement tout ce qui est épices. C'est parti pour la cuisson. Je risque de me faire insulter en commentaire. J'ai juste de l'huile d'olive. Aujourd'hui, je sais que c'est pas l'idéal pour la friture, pas du tout, mais vu qu'on a déjà beaucoup de graisse sur le poulet, donc je vais juste en mettre un tout petit peu et laisser la graisse, la peau fondre pour le restant d'huile. On va pas en mettre trop. Voilà, vraiment juste pour éviter que ça colle. Et on va laisser cuire 5 à 10 minutes ou plus, et ensuite on va les retourner. Et en attendant, on va préparer nos épices. Le poulet est en train de cuire, on va préparer les épices. Donc comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai 4 tomates ici, 2 oignons, du thym, 4 têtes d'ail et 2 à 3 cm de gingembre. Donc là, j'ai pris des épices fraîches, mais encore une fois, et idem pour le poulet, c'est un poulet frais, mais si t'arrives pas à en trouver ou que tu n'en as pas chez toi, tu peux très bien faire la recette avec des épices séchées, donc comme le thym, des tomates en conserve aussi, ça fait très bien l'affaire, de l'ail et du gingembre en poudre, il y a toujours des solutions, mais là pour l'occasion, on fait les choses bien avec des ingrédients frais, bons et bio. Première chose, on va couper les tomates tout petits dés. Ce que je fais toujours, moi, c'est ensuite, donc là j'ai découpé en 4. C'est venir couper au centre ici, voilà, et ensuite couper nos dés. On fait attention à ne pas se couper, surtout quand on a des couteaux tranchants comme celui-ci. Plus les tomates sont mûres et juteuses, et mieux c'est. Et je crois que c'est la première fois que je cuisine avec du tout bio. Je pense que tout est bio ici, à part le thym que bizarrement j'ai pas réussi à trouver au marché. Donc on va voir si le goût est mieux, si ça se ressent ou pas. Alors pour les oignons, je vais les couper très fins. Pourquoi? Tout simplement parce que mon copain n'aime pas les oignons. Donc plus c'est fin, mieux ça va fondre pendant la cuisson. Voilà, on a des rondelles d'oignons parfaites. Si tu as des suggestions de recettes, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir qu'est-ce que tu souhaites
que je réalise comme recette. J'en ai pas fait beaucoup pour l'instant. J'ai encore une grosse liste en attente, mais il se peut très bien que j'ai oublié des recettes de la Réunion que je pourrais faire. Donc je t'invite à les mettre en commentaire. Le gingembre, donc 2 à 3 cm. Donc je vais prendre un morceau comme ça. Et tu peux juste râper grossièrement la peau. Et on va les couper en petits morceaux pour ensuite piler donc avec un mortier avec de l'ail. Là, j'ai arrêté la cuisson du poulet, il est prêt. En tout cas, la première étape. On va ensuite ajouter les épices, oignons, tomates, gingembre, etc. Mais en attendant de préparer, j'ai coupé le feu. Et maintenant, l'ail et tout est produit ici au Québec. Donc peu importe où tu habites, essaie de privilégier des aliments qui sont cultivés chez toi, pas très loin en tout cas. Ok, ail gingembre, c'est fait. J'ai pris finalement uniquement 2 têtes d'ail. Le poulet, il n'est pas si gros que ça. Donc, je te mettrai la liste de tous les ingrédients et la quantité précise que j'ai utilisé dans les commentaires. Et on va maintenant piler tout ça donc avec le mortier et un peu de sel. Là, j'ai redémarré la cuisson. Comme tu peux le voir, le poulet est vraiment bien doré de chaque côté et on va d'abord ajouter le thym. Donc on ajoute nos branches de thym, donc cette quantité à peu près. J'aime beaucoup le thym donc j'en mets beaucoup. On mélange bien. On ajoute ensuite les oignons et on va laisser revenir quelques minutes. On va laisser les oignons fondre et rajouter ensuite le mélange pilé, ail, gingembre, sel, poivre et les tomates en dernier. On laisse revenir encore 2 à 3 minutes. On rajoute les tomates à feu moyen et on laisse compoter. On n'oublie pas d'ajouter bien sûr le curcuma, donc environ 2 à 3 cuillères à café. Et on laisse compoter donc à feu moyen pendant quelques minutes. Et une fois que les tomates sont bien cuites, on vient rajouter un peu d'eau. Les tomates sont cuites, on va ajouter maintenant un peu d'eau et laisser cuire. Donc logiquement, c'est une trentaine voire une quarantaine de minutes. Mais étant donné que mon poulet est déjà archi-cuit, je vais laisser plutôt 15-20 minutes. On rajoute un tout petit peu d'eau à mi-hauteur du poulet. Et il n'y a plus qu'à attendre. Et voilà, le poulet est prêt. Donc comment est-ce qu'on sait que la cuisson est terminée? C'est tout simplement quand on obtient une sauce onctueuse, que les tomates sont bien cuites. Et maintenant, on va dresser l'assiette. Comme la majorité des plats à La Réunion, le curry poulet se déguste avec du riz. Donc là, j'ai pris du riz blanc, des haricots, donc là, des haricots rouges. Le poulet, bien évidemment. Et pour finir, du piment vert. Voilà pour la recette du carré poulet traditionnel de La Réunion. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, partager, liker la vidéo. Et à très bientôt pour une nouvelle recette.